suis avec Katlis de la chaîne du même nom. On est au version scrap de Lyon. Lyon, voilà. Bien arrivé, vous voyez là derrière. Hein. Voilà. Voilà. Alors on a envie de vous faire découvrir un petit peu ça. On va faire quelques petites vidéos et puis on essaiera de vous faire partager ça pour surtout pour celles qui ne peuvent pas venir. Voilà. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. D'abord, donc, quand on est arrivé, au tout début, il y avait un stand, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est tenu par un anglais, un monsieur anglais absolument adorable. Et puis donc, il vend tout un tas de choses en fait, il y a des gros bacs en fait avec beaucoup de choses un petit peu en vrac, et puis il vend aussi des choses par lot. Donc j'ai pris pour commencer un lot donc, de 4 petites encres, des petites gouttes comme ça à nouveau. Donc un dans les tons turquoise, parce que je suis très dans le turquoise en ce moment. Donc voilà, un comme ceci. Un dans cette couleur un petit peu un peu rose pêche comme ça, ici en couleur taupe, et puis une couleur comme ça un petit peu orange, un peu genre mandarine comme ça, que j'adore. Ensuite, sur le même principe du lot, on s'est partagé avec Katlis. Donc, c'était, si je ne me trompe pas, 6 pour 10 euros. Donc, elle en a pris 3, j'en ai pris 3. Donc, ici, j'ai pris donc en doré, de nouveau dans cette couleur un petit peu orangée. Et puis, une pailletée blanc toute... c'est pailletée blanc, mais ça fait des petites paillettes un petit peu toutes les couleurs. Et puis ensuite, donc, il y avait aussi donc, donc ce principe du lot, en fait. Donc, on pouvait choisir, si je ne me trompe pas, 8 rouleaux de double face. Donc, ils avaient tous, en fait, ils étaient tous au même prix. Et puis, ils proposaient donc un lot de 8 rouleaux, toujours pour 10 euros. Voilà. Donc, Alors là, il n'y en a plus 8 parce que j'ai déjà commencé à m'en servir. Donc, j'ai pris un large comme ceci. J'en ai pris des comme ceci, tout fin, tout fin, tout fin. Il doit faire peut-être 2 ou 3 mm. J'ai pris ceci donc, en fin comme ça. Je crois que ça, c'est du 5 mm. Et puis ça, ça doit faire 1 cm. Voilà. Ensuite, donc chez Carabel Studio, je me suis pris un tapis comme ceci, anti-adhésif. Donc ça a vraiment la particularité, hein, vous passez un coup de chiffon dessus et puis toutes vos encres, votre peinture, tout disparaît. Voilà, donc c'est pas vraiment donné, mais enfin voilà, j'avais envie d'acquérir ce tapis-là. Ensuite, je me suis pris, donc ça je ne sais plus, parce qu'il y a des petits stands comme ça, je n'ai pas vraiment retenu le nom de tous les petits stands. Je me suis pris donc des petits anneaux comme ceci pour faire des albums, faire des mini-albums. Donc j'avais envie de tester donc, ces anneaux qui sont attachés par 3. Donc j'ai pris 2 comme ceci en rose de gold. Un plus petit un peu en or vieilli, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en bronze.
Et puis un petit comme ceci en doré. Voilà. Dans la boutique Zibuline, j'ai trouvé ceci. D'ailleurs, il me semble que c'est chez elle justement que j'ai pris aussi les anneaux comme ceci. J'ai trouvé cette mini machine à coudre. Voilà, alors je ne l'ai pas encore testé, hein, donc il faut que je vois comment ça fonctionne. Il y a un petit mode d'emploi et tout ça, donc il faut que je regarde exactement comment ça fonctionne. Alors Katlis m'a dit qu'elle l'avait déjà et que vraiment ça fonctionnait très très bien. Et puis comme j'ai quelques petits projets où j'ai vraiment un tout petit peu de couture à faire dessus, je n'ai pas toujours envie de sortir ma grosse machine et puis de tout installer. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être pratique, donc je testerai ça, je vous en reparlerai peut-être en vidéo. Si ça vous intéresse, ben, dites-le moi en barre d'infos, hein, si ça vous intéresse une revue sur cette mini machine à coudre. Si ça vous intéresse d'aller voir, donc ils disent que leurs produits sont disponibles donc sur le site zibuline.com, donc Zibuline.com, et sur le site littlemercerie.com. Voilà, donc si vous souhaitez aller voir, vous pouvez la trouver sur ces deux sites. Alors ensuite, chez Universcrap, j'ai vraiment un petit peu craqué mon budget, surtout en tampons, parce que j'en ai trouvé vraiment des super sympas. Alors j'ai pris aussi des bruchots comme ceci. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des pigments en poudre, hein, donc comme ceci. Alors j'ai jamais testé. Katlis m'a dit aussi qu'elle s'en servait et que ça rendait vraiment des résultats très sympas. Et puis comme je me lance vraiment un petit peu dans le mix média, donc voilà, j'ai investi donc dans ces trois bruchots, une en couleur turquoise, une en terracotta et une en sea green. Donc logiquement, la sea green et la turquoise devraient bien aller ensemble. Donc voilà, je testerai ça. Dans les mêmes tons, je me suis pris aussi quatre petites encres distress. Une dans la couleur Mermaid Lagoon, une dans la couleur Evergreen Boat, une dans la couleur Peacock Feathers, voilà, et puis une dans la couleur Vintage Photo. Voilà, donc en petit format, parce que bon, c'est pas des encres que je vais utiliser très 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 souvent non plus, donc je pense que déjà en petit format, c'est pas mal. Et puis donc, je trouvais plein de tampons. Donc, tout d'abord, j'ai trouvé celui-ci. Donc, un instant magique. Pardon, un instant de complicité. Ensuite, j'ai celui-ci, donc, fait main, avec les petites arabesques ici, les petits papillons. Je trouve ça tellement joli. Ensuite, celui-ci, donc, avec quatre mots, histoire, ensemble, amour et famille. Donc, c'est un seul tampon avec les quatre mots, hein, même, ça ne dérange pas trop. Voilà, donc, celui-ci est à 8,95€. Le fait main est à 3,50€. Et puis ici, donc, le instant de complicité est à 3,95€. Ici, donc, un tampon apprécié chaque moment. Donc, toujours ces tampons montés sur mousse, hein, qu'on utilise avec une plaque en acrylique. Celui-ci était à 5,95€. Et puis, donc, ensuite, ce combo donc, de dyes et puis de tampons qui vont ensemble, avec deux petits animaux de la forêt, donc ce petit renard qui est absolument adorable, et puis ce petit écureuil. Voilà, avec donc les dyes qui vont avec. Les dyes sont au prix de 11,95€, et les petits tampons ici, 5,95€. Voilà. Il me semble que c'est aussi chez Universcrap que j'ai pris un tampon Florilège Design. Ben oui, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Donc, quatre petits tampons comme ceci. Ensemble, moment, souvenir et profiter.
J'aime bien le côté un petit peu, voilà, trait de stylo tout autour, comme ça. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, à la boutique Denim Tampon, j'ai pris 3 articles, dont un, j'en ai fait cadeau en fait à Katlis. De toute façon, donc, je vous rappelle juste que je mettrai donc le lien de sa chaîne dans la barre d'information. Je vous incite vraiment à aller voir sa chaîne, c'est une personne vraiment absolument adorable. Donc voilà, elle hésitait en fait entre 2 tampons en forme d'étoile, donc un petit puis un plus grand. Et puis donc elle a fini par prendre le plus petit et du coup donc en cachette, j'ai pris l'autre tampon plus grand parce qu'elle adore les étoiles et puis je lui ai offert, voilà. Donc c'est marqué 3 articles, mais donc je peux vous en présenter que 2. Alors celui-ci qui dit « tellement difficile de trouver les mots », voilà, parce qu'il m'arrive de devoir faire des cartes de condoléances. Et puis c'est vrai que de marquer sur les cartes « sincères condoléances », j'ai un petit peu de mal et puis c'est vrai qu'on a, voilà. Dans ce genre de cas difficile, on a toujours du mal à trouver ce qui est les bons mots. Donc voilà, je trouvais que ce tampon était de circonstance. Et puis celui-ci, fait avec amitié, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de tampons et de dyes qui disent fait avec amour, mais fait avec amitié, j'avais pas encore vu. On est ensuite allé chez Foreign Scrap, donc là c'est bien sûr que c'était impossible de ne rien prendre chez eux. Alors j'aurais bien pris plus de choses, malheureusement il y avait pas mal de choses qu'ils n'avaient plus sur le stand, donc il faut que je passe par le site pour les commander. J'ai simplement pris cette petite planche de tampons, bon c'est pour Pâques, hein, donc je ne sais pas si je suis très en retard ou très en avance. En tout cas j'ai trouvé ces petits lapins vraiment trop adorables, et puis eux ils avaient fait en fait une carte avec ces petits lapins qui n'avaient rien à voir avec Pâques, et je trouvais ça vraiment très mignon, parce que voilà, ça fait aussi très printemps, ça peut faire même des petits lapins dans la neige, enfin bon il peut y avoir plein de possibilités, donc voilà. Donc des petits lapins avec eux en chocolat, joyeuse Pâques, mon lapinou, enfin voilà. On est ensuite allé donc sur un stand qui s'appelle Nymphcrea. Donc ils ont un site, hein, nymphcrea.fr, voilà. Et puis donc elle fait pas mal de tampons, et entre autres on a trouvé donc ces tampons pour les cartes ATC. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'une carte ATC, donc c'est une petite carte, donc c'est un terme anglais, Artist Trading Card, donc ce sont des petites cartes de 6 par 9 cm, où on peut donc donner libre cours à toute sa créativité, et puis c'est des cartes qu'on s'échange, et puis donc qu'on fait en série et qu'on s'échange, voilà. Donc l'avantage c'est vraiment ça rentre dans une petite enveloppe, ça prend pas de place, c'est pas très très long à faire, donc pour des petits échanges entre scrappeuses, c'est vraiment sympa, voilà. Donc, on a trouvé ce tampon. Alors, il est un petit peu sale parce que je m'en suis déjà servi. Et puis, comme le fond n'est pas tout à fait lisse, donc c'est pas très facile à nettoyer. Mais bon, ça ne dérange pas. Donc, je m'en suis déjà servi. Et puis, donc, je vous ai tamponné un exemple ici pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc, avec le titre, l'artiste, la date et le numéro. Voilà. Alors, la seule chose qui me dérange, c'est qu'il y a une grosse faute d'orthographe ici. Donc, édition limitée, E accent aigu. Mais bon, voilà, j'ai vu ça seulement à la tamponnant, mais bon, voilà, je rajouterai peut-être un petit E à la main. Voilà, en tout cas, c'est pratique pour tamponner au dos des cartes et puis marquer ses coordonnées. Je me suis pris aussi ce gros paquet de feuilles, donc c'est du 216 grammes. Il y a 75 feuilles, et donc, comme vous voyez, c'est vraiment, il y a vraiment toutes les couleurs qu'on veut. Donc ça c'est vraiment bien pratique, donc en 30 par 30 pour pouvoir donc assortir à tous nos papiers colorés, nos papiers action, etc., etc. Voilà, donc des papiers unis de toutes les couleurs en 216 grammes, donc 75 pages. Ensuite je me suis pris aussi quelques papiers quand même. Alors il n'y avait pas beaucoup de choix, c'est vrai qu'on est un petit peu resté sur notre faim avec Katlis par rapport à ça. Moi je cherchais surtout des collections de chez Prima, il n'y avait rien du tout de chez Prima, donc voilà. Et puis donc j'ai simplement trouvé ces deux petites choses en termes de papier qui me plaisaient bien. Alors celle-ci, donc c'est la marque Lorelei. Voilà, donc c'est la marque Lorelei Design, qui s'appelle Follow Your Dreams. Voilà, donc j'ai trouvé que, voilà, dans les coloris, j'ai trouvé ça vraiment très très beau.
avec bon, c'est assez ethnique, hein, avec des plumes, un tipi, enfin voilà, donc dans ces couleurs assez douces, ici avec une tête de loup, enfin voilà. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis je me suis pris quelques pages de la marque Scrapberries. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai appris qu'en fait la marque Scrapberries va fermer, enfin donc ça n'existera plus bientôt. Donc ils sont en train de liquider tous leurs articles et puis ensuite eh ben, ça sera terminé pour cette marque. C'est vraiment dommage parce qu'ils font vraiment des très jolies choses. Donc je me suis pris deux feuilles comme ceci, avec des petits oiseaux. À l'arrière, elle est comme ceci. C'est surtout pour ce côté-là en fait que j'ai craqué, avec comme des fleurs de cerisier comme ça dans ces tons roses. Voilà, donc deux comme ceci. Je me suis pris deux pages comme ceci, donc avec l'arrière absolument magnifique, avec ces tons bleus et beige, et puis de nouveau des plumes. Voilà, et puis donc l'autre côté comme ceci. Et puis je me suis pris une page comme ceci. Donc hein, c'est plutôt pour découper donc des cartes style Project Life, hein, avec tout un tas de motifs, donc de nouveau dans les plumes, les renards. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment absolument splendide pour décorer un mini-album. Je pense que ça fera vraiment bien l'affaire. Et puis donc, dernière chose que j'ai pu acquérir donc, à ce salon, c'était un stand tenu par un couple de Hollandais. Voilà. Donc là, j'ai pris ce petit flacon donc effet neige pour pouvoir faire des petits points d'effet neige, par exemple, quand je fais quand je vais faire mes petites boules à neige de Noël ou des choses comme ça. J'ai trouvé dans le thème de Noël ce bloc pour faire des cartes. Donc, tout est déjà prédécoupé. Alors j'en ai déjà pas mal de chez Action. Celui-ci je le trouvais sympa parce qu'il y a, comme vous voyez, hein, donc il y a des effets dorés. Et puis surtout ce sont des couleurs que je n'ai pas tellement et je trouvais que même pour une carte masculine ça pouvait très bien faire l'affaire. Voilà, donc il y a des effets dorés mais c'est tout dans les tons comme ça, un peu vert sapin et marron, et je trouvais ça vraiment joli. Voilà, donc j'ai quand même pris celui-ci, sachant que ben, le prix ne ressemble en rien à celui de chez Action. Voilà. J'ai pris ensuite deux blocs comme ceci, donc en 15 par 15. C'est la marque Studio Light apparemment. Voilà. Je les ai trouvés vraiment absolument splendides. Donc il y a celui-ci comme ceci. Dommage qu'il ne les ait pas eu en 30-30 parce que ça me ferait, des albums magnifiques. Mais déjà là, pour faire des mini-albums, ça va être vraiment top, je pense, pour l'été. Regardez, avec des coquillages. Ici. Pas mal d'effets bois sur celui-ci. Les pages sont assez épaisses. Voilà, cette page-là est magnifique aussi. Et puis, celui-ci qui va vraiment très bien avec. Voilà, vous voyez. Voici pour les bords de mer. Ici, de nouveau, avec des petits coquillages. Là, comme ceci. Celle-ci qui est vraiment magnifique. Ici, voilà, donc beach avec des coquillages, et puis celle-ci aussi avec tout le tour, et puis voilà, encore cette dernière-là, donc ça je trouve vraiment splendide, donc il y a 4 pages de chaque, donc il y a de quoi faire. Et puis j'ai pris ceci pour, je trouvais que ça allait vraiment tellement bien avec. Alors, il me semble bien que, en fait, c'est la marque qu'on trouve notamment chez Nose, il me semble. Donc, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, parce que, bon, j'ai pas tellement l'habitude d'aller chez Nose. J'y suis allée une fois ou deux, peut-être, seulement. Mais il me semble bien que ce sont des blocs qu'on trouve chez Nose. Donc, voilà. Mais en tout cas, alors, c'était pas vendu au prix que c'est vendu chez Nose, bien entendu. Mais enfin, j'ai quand même craqué dessus.
parce que je trouvais que ça allait parfaitement avec les papiers. Voilà, donc pour faire un album ou des cartes pour l'été. Alors je sais qu'on n'est pas tellement en été, mais bon, ça reviendra très vite. Voilà, ça vraiment j'adore. Voilà, pour vous donner un petit aperçu de ce bloc pour faire des cartes. Et puis je vais terminer en vous montrant donc tous les petits cadeaux qui m'ont été offerts par Katlis. Donc voilà, elle avait préparé tout un très joli sac avec tout plein de cadeaux joliment emballés pour moi et je trouvais ça vraiment adorable. Alors moi j'avais aussi préparé quelque chose pour elle et puis j'ai bêtement oublié ça à la maison. Donc elle y recevra par la poste, hein, par courrier. Donc voilà, alors elle m'a pris cette planche que je n'avais pas encore, donc sur le thème de Noël. Hein. Donc ça vient de chez Action. Je trouve que cette planche est vraiment très jolie. Elle m'a pris des petits sequins comme ceci, donc il y a des petits sapins, et puis ça ce sont des petits rennes, donc ça pour faire les cartes de Noël c'est absolument adorable. Elle m'a pris des brads, donc les nouveaux brads, donc qui sont, il y a des ronds, des carrés et des en forme de cœur, et puis comme j'adore ces brads, donc je trouve ça super adorable. Elle m'a pris du washi de Noël que j'avais hésité à prendre, puis finalement je ne l'avais pas pris, donc ça tombe très bien. Dans les couleurs bah, habituelles, hein, donc holiday avec ici donc en paillettes argentées avec des étoiles et puis des petits sapins. Elle m'a pris des bling stickers dans les tons verts et dans les tons un petit peu rouge comme ça. De nouveau pour mes décos de cartes de Noël, ce sera juste parfait. Elle m'a pris des tampons comme ceci. Alors elle avait prévu aussi des tampons avec les Pères Noël et puis avec les sapins. Et puis comme je les avais déjà, donc je trouvais dommage de les avoir à double. Donc elle les a repris et puis elle les donnera à une amie à elle qui malheureusement n'a pas pu venir au salon version scrap. Voilà. Donc j'ai gardé cette planche de tampons-ci avec donc, les boules de Noël et les dalles qui vont avec. Elle m'a pris ce bloc de papier de Noël. J'aime beaucoup beaucoup les couleurs. Ça fait un petit peu nordique comme ça, moi je... J'aime beaucoup avec ces petits rennes et tout. Et non, vraiment, ces couleurs sont vraiment très sympas. Elle m'a pris des étiquettes comme ceci. Alors, je ne les ai pas encore ouvertes. Voilà. Donc, ce sont, elles sont belles, dis donc. Des belles étiquettes. Voilà. On en a, bah, on en a je ne sais pas combien. Donc, j'en aurais bien assez. Donc, pour mettre sur les cadeaux. C'est vraiment splendide, elles sont très belles ces étiquettes. Et puis, elle m'a mis donc ces deux petits sachets avec des sachets de thé à découvrir. Et ça, j'adore découvrir les nouvelles sortes de thé. Donc, il y en a, alors bon, il y en a, c'est écrit en allemand, donc j'ai un petit peu de la peine. Mais celui-ci, c'est vraiment un petit peu, ça fait vraiment Noël avec de la cannelle, de l'orange et puis, je crois, du cranberry. Ici, on a, je ne sais plus, elle me l'a dit, mais je ne me rappelle plus, c'est à la pomme, donc aromatisé à la pomme. Et puis ici, c'est à la framboise et à la vanille, si je ne me trompe pas, je crois. En tout cas, il y a de la framboise. Voilà, et puis le second. Ici, donc, avec... toujours fruité, mais je ne me souviens plus exactement de ce qu'il y a dedans. Katlis, si tu peux peut-être me laisser un message et puis me redire exactement, voilà. Mais de toute façon, moi j'adore découvrir les nouvelles sortes de thé, donc voilà. Et puis celui-ci, donc aussi à l'orange, et si je ne me trompe pas, normalement, ce sont des thés sans théine, donc qu'on peut même boire le soir, un peu comme des tisanes.